Bonjour mesdames et messieurs, nous avons le plaisir aujourd'hui, dans le cadre de notre Meet the Expert, de recevoir notre ami, hein, l'ami de l'Algérie, Monsieur Jean-Jacques Monsuez, qui est donc chef de service à Paris et qui va nous parler d'un problème qui nous concerne directement, très intéressant, qui est donc l'anticoagulation dans les valvulopathies et surtout l'actualité, ce qu'il y a de nouveau. Et comme d'habitude, hein, donc on laissera le débat à la fin. Et vous poserez vos questions sur le chat au fur et à mesure. Et Monsieur Monsuez, comme ça, soit il pourra lire le chat, sinon je lui donnerai les questions à la fin. Cher ami, bienvenue à notre visioconférence et à vous la parole. Merci beaucoup de l'invitation encore une fois. Moi, je suis très, très, très content. On a été sauvés de l'informatique. Ce n'est pas simple, hein, mais on a un virtuose. Hein, il est virtuose ici, notre informaticien. Le topo, là, on l'a fait, je l'ai fait au congrès d'Abdallah Madawi à Sousse la semaine dernière, par visio également. Et il y avait Bernard Hume aussi qui a présenté un topo. Et c'est en fait une nouvelle méthode de travail qui est assez intéressante. Beaucoup de choses ont changé dans l'anticoagulation des valvulopathies, et on est assez loin maintenant de la réflexion de quand j'ai commencé, que j'étais interne chez Monsieur Accard. Fibrillation atriale, anticoagulant, prothèse mécanique, anti-vitamine K, rythme sinusal, bioprothèse, rien. Tout ça a bien changé. Et c'est devenu un peu compliqué par certains endroits paradoxal. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Jean et Jacques, que vous voyez là, ont payé le ticket de métro pour venir. Donc, qu'est-ce qu'on a comme double problème? D'un côté, les valves natives, où ça a changé assez récemment. Les bioprothèses et les TAVI, qui sont en évolution aussi. Et puis, de l'autre côté, les cofacteurs de morbidité, la fibrillation, le risque de thrombose, la maladie coronaire, la chirurgie et la grossesse. Alors, dans le panorama des Européens qu'a fait Bernard Hume récemment dans Circulation, c'est l'EuroHeart Survey 2 sur les valves. On voit que en Europe, les maladies dégénératives prédominent avec la sténose aortique, l'insuffisance mitrale dégénérative, les multivalvulopathies, et que, en revanche, il ne reste que relativement peu de sténose mitrale rhumatismale, qui pose plus de problèmes finalement dans l'Europe de l'Est et du Sud-Est que chez nous. On en voit relativement peu, sauf chez des patients qui viennent d'Afrique. Le point important de ce topo était que les recommandations ne sont pas toujours bien suivies en Europe, et probablement elles vont changer un petit peu à cause des nouvelles données qu'on a. Si on regarde un malade qui a une valvulopathie, son risque d'être en fibrillation atriale est multiplié par 2,5. Si on regarde finalement chez les malades qui ont une valvulopathie native, hein, pas une prothèse, et qui sont en fibrillation atriale. Jusqu'à présent, on leur donnait des anti-vitamines K. Et la question qui s'est posée dans toutes les études, Aristote, Engage, Relay, etc., est-ce que les nouveaux anticoagulants oraux directs font aussi bien, font moins bien? Donc, grosso modo, tous confondus, le risque de thrombose, d'accident thromboembolique est plus faible, et le risque d'accident hémorragique est plus faible avec les nouveaux anticoagulants, aussi bien pour les patients qui ont une valvulopathie, sauf le rétrécissement mitral. Ça, c'est l'étude excluait les rétrécissements mitraux. Ça fait aussi bien sourd que s'il n'y avait pas de valvulopathie. En réalité, aussi bien, ce n'est pas que aussi bien, c'est probablement, je ne sais pas si vous voyez ma flèche ici, avec valvulopathie, le bénéfice est supérieur de 100 valvulopathie. Donc, le cofacteur morbidité de patients avec l'AFA que représente la fibrillation atriale est un facteur qui est mieux contrôlé finalement par les nouveaux anticoagulants que par les antivitamines K. Ça, évidemment, à l'exclusion des prothèses, hein, et à l'exclusion de la sténose mitrale. Donc ça, c'est la nouvelle acquisition. Il faut la tempérer un peu, et on a une
deuxième méta-analyse de quatre essais qui distinguent un petit peu en fonction des anticoagulants. Vous voyez que sur les accidents vasculaires cérébraux, tous les nouveaux anticoagulants oraux font plutôt mieux. Ici, c'est en mortalité. Ben, il y a un petit signal quand même qui n'est pas significatif là sur l'édoxaban que ça ferait moins bien. Sur les saignements, je crois qu'il faut retenir un seul mot, parce que c'est le Xarelto, qui fait moins bien que les antivitamines K. Donc, un patient avec une valvulopathie qui a un risque hémorragique, une valvulopathie native, un risque hémorragique élevé, plutôt pas celui-là. Mais grosso modo, le bénéfice des nouveaux anticoagulants oraux est peut-être supérieur à celui des AVK chez les malades qui ont des valvulopathies hors prothèse et hors sténose mitrale. Qu'en est-il maintenant? Là, c'est vraiment un grand changement récent sur les bioprothèses, qu'elles soient implantées par voie chirurgicale et les TAVI. La grande question, c'est finalement, est-ce qu'il y a une EFA ou pas, et quel est le devenir de ces patients avec ou sans anticoagulant, quel est le devenir de la bioprothèse? Ça, c'est très intéressant. En 2017, on avait avant ce débat les indications. Si un malade a une bioprothèse et une indication d'anticoagulant comme la EFA, il doit avoir des antivitamines K, ça c'est des anticoagulants. S'il a en fait une implantation de bioprothèses mitrales ou tricuspides qui ont un pouvoir thrombogène et qu'il est en rythme sinusal, les recommandations de 2017 nous disent 3 mois d'anticoagulants. S'il a en revanche une plastie mitrale ou une plastie tricuspide qui a également un risque thrombogène, anticoagulant pendant 3 mois. Si en revanche c'est une bioprothèse aortique, c'est plutôt l'aspirine qui est prescrit en recommandation de type 2A. Ça c'est ancien, c'est les recommandations 2017, ça n'a pas changé. Alors est-ce que les anticoagulants oraux dans cette indication peuvent avoir un intérêt? Eh bien oui, il semblerait dans cette étude où il y en a quand même pas mal de malades, je ne me souviens plus du chiffre exact, que le risque thromboembolique est plus faible avec les anticoagulants oraux qu'avec les AVK et que le risque hémorragique est également plus faible. Le bénéfice global serait un peu meilleur pour ces bioprothèses chez des malades en fibrillation atriale. On peut aussi, d'après cette étude, utiliser les anticoagulants oraux. Ça s'est formulé d'une manière différente. Et finalement, on a un peu déplacé le débat de cette anticoagulation temporaire vers les anticoagulants oraux directs. Alors, s'il y a en revanche une bioprothèse aortique qui est implantée par voie chirurgicale, les recommandations 2017 disent l'aspirine, mais pour les TAVI, ces recommandations disent double inhibition plaquettaire pendant 3 ou 6 mois après un TAVI, suivi de ensuite un seul traitement antiplaquettaire pour le long cours. Sauf s'il y a besoin d'une anticoagulation pour EFA, c'est des malades sinusaux cela. En revanche, il est déconseillé dans cette étude, et vous verrez à la fin, dans ces recommandations, vous verrez que la dernière étude que je présenterai, qui est parue le 29 août là dans le New England, un seul antiplaquettaire, ces recommandations disent que pendant un seul antiplaquettaire dès le début, c'est pas très bien. Est-ce que ça changera? On verra tout à l'heure. En revanche, pour une prothèse aortique, mettre des anticoagulants oraux, c'est plutôt pas très recommandé. Alors, quelle est la nature du nouveau débat? Le nouveau débat, il est qu'on a suivi maintenant les dégénérescences de bioprothèses et de TAVI en IRM et en imagerie scanner de 4 dimensions haute résolution. Et là, on voit se produire des choses qui sont étonnantes. Vous savez qu'on essaye le débat finalement chez un sujet jeune, c'est pas forcément mettre une prothèse mécanique, essayer de mettre une prothèse, une bioprothèse et de l'essayer de la faire durer le plus longtemps possible. Le problème, c'est qu'elle dégénère. Et quand on les suit en IRM ou en scanner, on voit ce qu'on appelle des HALT, les hypoatténuated épaississement des valvules et des mobilités réduites des valvules qui précèdent en général une augmentation du gradient. Ça, c'est
estimée être liée à des thromboses de prothèses, bioprothèses, asymptomatiques. Et c'est ce qui est estimé conduire à la dysfonction de prothèse après, qui se définit comme une augmentation de 50% de son gradient par rapport au gradient basal pré-implantation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épaississement de la bioprothèse? Vous voyez un épaississement ici progressif en scanner, moins de 25%, un peu plus. Vous voyez ma flèche ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on voit la flèche. On vous entend. Et là, vous voyez 75 trous. J'ai coupé le micro exprès. D'accord. Et là, vous voyez 50% d'épaississement. Ensuite, quand on regarde la diminution de mobilité qui va avec et qui est chiffrée en grade, eh bien, elle augmente progressivement jusqu'à finalement la rigidité qui conduit à la dysfonction. Donc ça, c'est un TAVI, hein, ce sont nos images modernes. Et quand on regarde, en fait, vous voyez ici la rigidité progressive des valves, grade 4, elle est complètement immobile, elle conduit à la dysfonction. Et quand on regarde, c'est une très 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 belle étude, ça, j'ai eu du mal à la comprendre. Quand j'ai du mal à comprendre, je me dis c'est moi qui comprends pas, parfois c'est eux qui s'expriment pas bien, mais en fait, c'est assez simple. Quand on suit les images en scanner, on voit progressivement que cet épaississement des valves, cette limitation de mobilité se fait, et que grosso modo, à distance, elle conduit à des dysfonctions, et au bout de 19-10 ans de bioprothèse, ben les dysfonctions sont majoritaires. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas limiter toutes ces thromboses asymptomatiques responsables des épaississements par un traitement pour éviter les dysfonctions et le remplacement valvulaire après? Alors, c'est ce qui est dans l'éditorial de Monsieur Stewart de la Mayo Clinic, hein, il connaît bien les valves, hein. Il dit, bah, il faut surveiller les implantations de bioprothèses très tôt, qu'elles soient chirurgicales, l'implantation, ou qu'elles soient en TAVI. 80% de ces thromboses parcellaires peu importantes sont silencieuses, et le traitement, c'est les anticoagulants. Ce n'est jamais la thrombolyse qui a un risque majeur de saignement, d'accident vasculaire parce que le caillot s'en va, de décès, de récidive de thrombose. Et le traitement anticoagulant est effectif il marche dans 83% des cas. Et Stewart aboutit finalement à une conclusion qui va nous gêner beaucoup si ça continue comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas laisser un traitement anticoagulant définitif aux bioprothèses? Ce qui veut dire que grosso modo, l'implantation de bioprothèses n'a pas de sens. Hein, on met une bioprothèse pour ne pas avoir les anticoagulants. Il faudrait le commencer tôt, avec un INR pas très élevé. Deux, et quelle est l'indication de la bioprothèse s'il faut mettre des anticoagulants? Finalement, c'est un truc, c'est un débat, on se croirait à un débat sur le Covid à la faculté tout à l'heure, avec est-ce qu'il faut machin, est-ce qu'il faut truc, c'est un débat d'intellectuel. Hein. Mais en fait, le débat est là, quel est le sens de ces micro-thromboses qu'on a? Alors, il y a une deuxième étude qui est parue il y a 2 mois, qui est assez intéressante. C'est les thromboses qu'on voit à l'écho et qui nous gênent et pour lesquelles on donne un traitement anticoagulant. Vous voyez que là, il a été efficace. Mais là, et bah, après, bah, ce traitement efficace, on a des trucs bizarres sur la valve, hein, qui sont pas sympas. Et là, la valve, elle est changée. Alors, c'est un très, très beau papier du Jacques. Je vous invite à le lire, hein. Je crois qu'il est en lecture open. C'est un très beau papier. Ces malades qui font des thromboses parcellaires, mais qui sont visibles en écho, ont un risque de remplacement valvulaire beaucoup plus important que ceux qui n'en font pas. Et vous voyez que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que même si le traitement anticoagulant a été efficace sur ces thrombose non problématique, mais bien visible, quand même souciante, hein, pour nous. Et ben, même si le traitement a été efficace, le risque de chirurgie, de remplacement valvulaire à distance est plus élevé. C'est sur du 200 malades quand même, hein, c'est quand même significatif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les TAVI? Alors, si je peux faire un peu de publicité pour notre ex-présidente Martine Villard, dans France TAVI, 13 000 malades, on va avoir des renseignements très importants.
On a d'abord regardé tous les critères de procédure, l'approche fémorale ou autre, la taille de la bioprothèse, s'il y a eu déjà un TAVI, s'il y a une fuite par post-implantation, les caractéristiques du malade, est-ce qu'il a un neuroscore élevé, un homme, une femme, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, est-ce qu'il est en FA ou non? Et donc on regarde à distance dans France TAVI les accidents thromboemboliques, les dysfonctions de prothèse, est-ce qu'il y a eu des saignements et la mortalité. Alors, quels renseignements on a sur ça, sur nos 12 000 malades? Vous voyez qu'ils sont pas tout jeunes, hein, c'est les premiers TAVI, un neuroscore relativement élevé, suivi 2 ans, 2 500 qui ont plusieurs échos de suivi, 3 800 qui sont déjà sous anticoagulants, la plupart du temps pour une EFA, et on regarde quelle est l'évolution du fonctionnement de la valve en écho chez ceux qui ont des anticoagulants, c'est-à-dire en EFA, et chez ceux qui n'en ont pas. Alors la première chose, c'est que la mortalité, elle est plus élevée s'il y a des anticoagulants, mais ça, on le sait tous, hein. Elle est plus élevée chez les hommes s'il y a une insuffisance rénale, et que en revanche, les anticoagulants prescrits parce qu'il y a une EFA, eh ben, ça réduit à distance la dysfonction de prothèse. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les anticoagulants protègent la valve, même s'ils ne protègent pas forcément le malade. C'est ce qu'on verra après. Alors, on compare ici dans cette très belle étude des archives, hein, chez 78 malades. Je ne sais plus d'où elle est, excusez-moi. Je ne l'ai pas noté, mais enfin, c'est une étude française qui a été faite en 2018. On compare ceux qui sortent en sinusal sous inhibiteur plaquettaire et ceux qui sortent en FA. Et vous voyez que le gradient moyen des prothèses, sous anticoagulant, il est un peu moins élevé, hein, de manière significative. Donc probablement très tôt, l'anticoagulant protège un peu les thromboses minimes de valve, ça c'est la même expression. Alors dans Partner 2, qui est la version américaine, on a à peu près la même chose. Des TAVI, des implantations chirurgicales, le tout ajusté sur la taille de la valve, sur le gradient, et ils sont libérés de l'hôpital sous anticoagulant ou non. Et là, on voit quelque chose de la même chose. Le pourcentage de malades qui a un gradient supérieur à 10 mm de mercure sur la valve aortique percutanée ou chirurgicale, il y a 1% s'ils sont sous anticoagulants, et il y a 2% qui ont un gradient élevé, un peu plus élevé, s'ils sont pas sous anticoagulants. En revanche, ça n'a pas d'impact sur la mort, sur la réhospitalisation. Les anticoagulants réduisent juste les AVC. Probable, mais c'est pas tout à fait significatif. Donc, vous voyez, c'est les mêmes résultats dans les deux études. On a ça. Voilà. Alors, on a également une autre étude qui est assez intéressante. Est-ce que ces anticoagulants, on peut utiliser les classiques, les AVK, ou est-ce qu'il y a une place pour les anticoagulants oraux directs? Et là, il faut faire vraiment très attention. Vous voyez qu'à 1 an, les anticoagulants oraux directs chez ces malades en FA, après un TAVI, eh bien, ils ont une mortalité, un risque d'infarctus, un risque d'AVC plus élevé que les antivitaminiques. Donc, il y a un débat qui est un peu ouvert sur les nouveaux anticoagulants. Oui, non, c'est pas très, 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 c'est pas très clair à la suite de ça. Et vous voyez qu'il y a quand même 1 000 malades dans cette étude. Donc, la même chose, un peu plus de risques avec les nouveaux anticoagulants qu'avec les AVC. Et donc ça, c'est en pleine discussion actuellement avec plusieurs études. Celle-là qui compare rythme sinusal antiplaquettaire et FA, AVK ou apixaban, qui est sur pas mal de malades, hein, 130 dans chaque groupe. Et vous voyez que la mortalité, elle est plutôt liée à la présence d'une FA. Ceux qui sont en FA ont une mortalité plus élevée. Mais qu'en revanche, et là, il va falloir faire très attention dans la lecture, l'apixaban ferait un peu mieux que les AVK sur les mortalités, sur les AVC, sur le combiné de ça plus hémorragie. Mais regardez bien, c'est 2 malades versus 3, 1 versus 2. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une preuve que l'apixaban marche aussi bien que les AVK sur les TAVI qui sont en fibrillation atriale. Donc, c'est un truc qui va être encore en débat actuellement. Alors, on a d'autres études. On a Atlantis, Galileo qui vient d'être
parues et celles-là qui sont en cours. Alors, comme je téléphone de Paris, je dois dire qu'Atlantis est la meilleure étude. Hein. Il n'y a aucune discussion possible. C'est l'étude de Gilles Montalesco. Les résultats, on ne les a pas encore. Tous mes malades qui vont pour ce truc-là, ils vont soit chez Bernard Jung, soit chez Gilles Montalesco. Donc, elle est très bonne, cette étude, mais on n'a pas encore le résultat. Elle va comparer les malades en sinusal, un ou deux antiplaquettaires. Elle va avoir des résultats intéressants là-dessus. Je vous ai dit tout au début, hein, sur le TAVI, normalement, c'est deux antiplaquettaires. Un ou deux versus comparaison à Apixaban avec un ou deux, avec un antiplaquettaire ou pas. Et quand ils sont en FA, Apixaban versus antivitamine K. Ce sera sûrement très, très intéressant comme résultat. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant de l'étude Galileo? Elle est parue dans le New England il n'y a pas très longtemps. D'abord, Galileo, version intellectuelle, scanner. Donc, il y a moins d'augmentation de gradient sous rivaroxaban. C'est des malades en FA, ceux-là, hein, que sous, pardon. C'est des malades en sinusal où on compare le rivaroxaban versus antiplaquettaire sur le fonctionnement de la valve. Et vous voyez qu'il y a moins de petits thrombus et moins d'augmentation de gradient sous rivaroxaban que sous antiplaquettaire. Donc on pourrait dire que ces malades en sinusal bénéficieraient peut-être de ça. En réalité, non. Car si la valve va mieux, en revanche, le malade va moins bien, avec un risque d'accident supérieur par rapport que soit tout groupé, hein, hémorragique, ischémique, mortalité et tout, c'est moins bon que le groupe traité de manière conventionnelle avec deux antiplaquettaires. Donc c'est mieux pour la valve, que ça protège mieux, mais c'est moins bien pour le malade. Donc je vous rappelle qu'on soigne des malades. Et là on a à peu près la même chose en mortalité, vous voyez, mortalité toute cause. C'est mieux de faire plutôt démoder les recommandations de 2017 que de mettre un rivaroxaban chez un malade qui est en sinusal. Alors maintenant, la même chose dans l'étude Popular TAVI, qui est également parue cet été. Ce sont des malades qui sont anticoagulés, ce sont ceux-là qui sont FA, et normalement, ils ont une indication, vous voyez, on met un TAVI, ils ont une indication d'anticoagulant simple. Et vous rajoutez ou vous ne rajoutez pas de clopidogrel. Eh ben, c'est moins bien si vous rajoutez du clopidogrel, hein. Vous avez 34% de saignement au lieu de 21%. Et que ce soit des saignements liés à votre bricolage ou que ce soit des saignements liés au fait que le malade est tombé quand il était à l'hôpital. Donc, grosso modo, il y a une indication d'anticoagulant pour FA sur un TAVI. Il faut mettre des anticoagulants, pas de clopidogrel en plus. C'est la même chose, hein, qui est expliquée là, vraiment avec vraiment très significative. Maintenant, là, le truc qui va fâcher, et je pense que c'est l'étude, elle est parue le 30 août, elle est dans le New England, elle est en libre accès aussi, je crois. C'est aspirine clopidogrel chez des malades qui sont en sinusal ou aspirine tout seul. Je vous rappelle que les recommandations, c'est aspirine, clopidogrel, 3 mois, puis un seul. Et donc là, vous continuez, vous voyez, non pas au-delà de 3 mois, mais vous continuez plus longtemps, 360 jours, hein, c'est un an, vous continuez plus longtemps les deux. Eh ben, c'est moins bien, hein. C'est moins bien. Plus longtemps, vous pouvez dire, donc les recommandations sont justes, elles vous disent deux antiplaquettaires pendant un temps court, de 3 mois, mais pas définitif 1 an. Ça n'apporte rien. Mais il y a un problème, c'est que vous voyez que la différence, elle est très tôt. Donc, est-ce que les recommandations seront changées avec un seul antiplaquettaire? Vous avez vu qu'il y a une étude qui montrait qu'un seul antiplaquettaire, ça faisait moins bien que deux au début. Donc là, il y a une zone d'incertitude. Ça va nous faire réfléchir vraiment beaucoup nos implantateurs de TAVI en rythme sinusal. Pour les malades en rythme sinusal, c'est ce qu'il faut faire. Alors ça, c'était vraiment tout le débat et les questions incertaines actuelles. Pour les valves mécaniques, il n'y a pas tellement de changements. La FA ne pose plus de problème puisque les valves mécaniques, ils ont tous des AVK. Et donc, ce qui va nous poser problème, c'est finalement, est-ce que les recommandations vont changer? Probablement non. Les anticoagulants oraux sur une valve
mécaniques sont contre-indiquées, c'est des antivitamines K lifelong pour tous les patients. Et de toute façon, c'est Bernard Young qui fait les recommandations. La réactualisation, c'est lui qui va les faire. Et si je vous promets que si Bernard Young change ce 1 ce 1A ou un B, je lui ferai un scanner pour voir s'il n'a pas des troubles des fonctions supérieures, mais je ne pense pas qu'il en ait. Donc, ça restera en 1. Il y a un truc qui fait bizarre, là. Vous entendez toujours? Oui, oui, on vous entend bien. Ben alors, je continue de vous embêter. Alors, si jamais, voilà, ça, en 1, il y a une recommandation qui est mal formulée, dit toujours Bernard. Il dit « c'est ma faute ». Mais c'est pas sa faute, c'est qu'il est pas seul, ils sont à 30 à aller faire les recours. S'il y a une indication d'arrêter les AVK pour une chirurgie majeure, pour un truc qui va saigner, eh ben, il faut faire un relais par l'héparine, ça, vous le savez tous. Ce qu'il faut bien insister pour tous nos correspondants, c'est qu'il y a des chirurgies qui ne nécessitent pas d'arrêt de l'anticoagulation par les AVK, la chirurgie pour la cataracte, les extractions dentaires. Et on avait fait ces recommandations pour les chirurgiens stomato. On était trois pour la SFC. Il y avait Bernard Young, il y avait moi, et il y avait le patron de Jean-Claude de Haraud de Marseille, qui est Pierre, ça va me revenir. Bon, et tous les trois, on disait, on a des malades pendant 8 jours dans le service pour un relais ou 15 jours pour un relais avec un hématome de ceci, de cela, pour des soins dentaires qui ont été sans problème. Et c'est là qu'on a fait ces recos. Les soins chirurgicaux simples qui ne saignent pas beaucoup peuvent être maintenus avec un INR à 2-3 sous AVK. C'est ça le message important. Un message, si un malade a fait un accident embolique avec une prothèse et qu'il a des AVK, on peut rajouter de l'aspirine. Ça, c'est une reco d'Alec Vahagnan, qui l'avait rajouté il y a déjà en 2011 ou 12. Là, en revanche, ce qu'on a dit, si le malade a un risque de maladie coronaire, de jambes athérosclérotiques, de cerveau grave, il faut lui mettre de l'aspirine. La réponse, c'est plutôt pas. Les anticoagulants seuls, c'est bien. Si le malade peut suivre lui-même en vérifiant son appareil CoaguCheck, c'est bien. Voilà, alors on a la même chose en version, dans l'update, vous voyez, pour la prise en charge de la maladie coronaire. Les malades qui sont avec une valve et à qui on doit faire du bricolage coronaire, on doit garder la triple inhibition AVK plus aspirine plus clopidogrel le plus court possible de 1 mois, quel que soit le stent qu'on met. Et si on doit le garder plus longtemps, c'est quoi ce triple pendant 6 mois à la limite, s'il y a un risque ischémique majeur lié à un syndrome coronaire aigu, on peut le faire, mais tout le monde a tendance à freiner le plus possible. J'ai repris sur un autre topo, c'est le topo des cocktails, je pourrais le faire chez vous, ça, de manière simple, comment on peut réduire au maximum, comment on doit allonger un minimum quand on peut. C'est un topo que j'aime bien, mais qui simplifie les recours qui sont pas simples. Si le malade a un risque hémorragique élevé, qu'il a un traitement par antivitamine K et qu'on doit lui mettre un traitement antiplaquettaire, on peut, après 1 mois, on peut faire une alternative avec clopidogrel AVK, ça vous savez aussi, c'est des recommandations anciennes. Si en revanche, le malade a eu une mise en place de stent et qu'il est sous anticoagulant, la tendance au bout de 12 mois est d'arrêter tout. Voilà, et en fait, si vous avez déjà des anticoagulants avec antivitamine K pour une prothèse mécanique et que vous devez garder un autre antiplaquettaire, il vaut mieux réduire l'INR cible pour l'avoir plutôt à 2 que de l'avoir à 4. Une diapo très importante pour ça, je crois que c'est vraiment plus pour vos correspondants que pour vous, c'est quelle INR cible chez un patient qui a une
une prothèse mécanique. Alors là, c'est assez simple. C'est une diapo qu'on a tous piquée à Alec Vahagnan et à Bernard Young. Il y a des facteurs de risque du malade, l'insuffisance cardiaque, la fibrillation atriale, la position mitrale ou tricuspide, et la fraction d'éjection basse, la sténose mitrale, quelle qu'elle soit. C'est un malade qui a plus d'un risque, un facteur de risque, et cette colonne-là. Et là, c'est finalement les valves qui sont différentes, les valves à faible risque, groupe B, à risque intermédiaire ou qu'on ne sait pas très bien, et les risques à, les valves haut risque, c'est le groupe D, l'ILEAI, Omniscience, les valves russes, je ne sais plus où elles sont, comment elles s'appelaient, là, qu'on mettait quand j'étais interne, là, c'est 4, hein, 4. Les valves russes, c'est 4. Donc, vous voyez que c'est important d'avoir cette diapo en tête, non pas pour les malades à risque élevé, on les connaît en général tous, mais pour ne pas avoir un INR trop élevé pour un malade qui n'a peut-être pas besoin et à qui on ne ferait pas courir de risque. Alors, quels sont les autres problèmes pour les valves mécaniques? La thrombose. Alors, la thrombose, c'est un topo qu'on fait souvent, Bernard Young ou moi. Le seul problème, c'est que je pense que certains d'entre vous sont allés à la session commune SFC, Société algérienne de cardiologie, et vous avez vu le topo de Madame Amoudi. Et là, je crois que nous, on n'a pas l'expérience de ça. Donc, c'est vous qui l'avez, et donc je vais parler rapidement des recos. C'est simple, thrombose de valve mécanique, il est instable, tu l'envoies en chirurgie, si tu n'as pas de chirurgie, en fibrinolyse. Il est stable, est-ce qu'il était bien anticoagulé? Ouais, il était bien anticoagulé. Pardon, il était mal anticoagulé, bah, tu mets de l'héparine. Il était bien anticoagulé, tu te rapproches du problème précédent, chirurgie ou fibrinolyse, suivant ce qu'on a comme moyen. Alors, c'est un peu ce que disent les recommandations. Les doses, bah, ça dépend un peu de ce qu'on a. Le bolus de TPA, de RTPA, pardon, a suivi de la perfusion et de l'héparine, ou la streptokinase sans héparine, ça dépend un peu de ce qu'on a. Et la chirurgie, s'il y a vraiment des très gros thrombus. On a eu une histoire assez difficile dans le service. Un de mes collaborateurs, qui est d'Oran, hein, à l'origine, il va passer la PAE. Vous le reprendrez pas, hein, je le garde. Hein, je le garde. Il voit une thrombose de valve. Il me le montre l'après-midi même. Il n'y a rien. Et 3 heures après, le malade fait un accident embolique. Et le thrombus, on le retrouve dans le ventre. C'est vraiment une histoire. Je veux dire, c'est pas une histoire. Mais il a guéri, le malade. Hein, il a guéri. Enfin, c'est pas une histoire sympathique. Alors, donc les gros thrombus, plutôt chirurgie si on peut. La maladie coronaire, on l'a vu tout à l'heure. En même temps. Ça, c'est les recommandations de la prise en charge de la maladie coronaire. Vous voyez, finalement, avec, bon, plus t'as de risques ischémiques, plus tu traites plus tu gardes le cocktail, plus t'as de risques hémorragiques, plus t'essayes de switcher le plus vite possible vers des anticoagulants seuls. Alors, le message important n'est pas celui-là, ça vous connaissez. Le message important, il est pour les correspondants ou pour les malades qui n'ont pas de cardiologue. Nous, il nous arrive de voir très souvent des malades en cocktail un an après parce que personne ne les a revus. Et ça, c'est vraiment pas bien. Alors, qu'est-ce qui est pour la chirurgie non cardiaque? Le message, bon, s'il y a un relais à faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, on le fait. Si le message important, c'est que nombre de chirurgies n'ont pas besoin de relais et on garde les antivitamines K. Et là, vous regardez, si vous ne trouvez pas les recommandations de la société de stomato, vous mettez anticoagulant, Société française de chirurgie buccale, Bernard Young ou Jean-Jacques Monsuez, et hop, ça vous conduit direct, c'est en libre accès sur nos recommandations communes SFC, et vous saurez quelle chirurgie n'a pas besoin d'anticoagulant. En fait, c'est assez simple. Pour la chirurgie, et quels soins dentaires n'ont pas besoin de relais, c'est les soins dentaires qui ne font pas saigner. Et souvent, c'est assez facile à faire. Alors ensuite, pour la grossesse, là, il n'y a rien de nouveau. Chez nous, notre problème grossesse, c'est les congénitaux. Il n'en va pas du tout de même
Je fais un peu de publicité. C'est un papier qu'on a fait avec Mabouri Diaw à Dakar, que vous connaissez tous. À Dakar, si vous avez des anticoagulants et que vous avez déjà une prothèse mitrale, vous êtes finalement avec un pronostic moins grave de votre grossesse sur une prothèse mitrale sous anticoagulant que si vous avez une sténose mitrale sans fibrillation atriale, sans prothèse. Parce que là, vous allez avoir la double peine de la sténose mitrale et grossesse et des anticoagulants. Et là, c'est catastrophique. Donc, on avait vu vraiment que c'était la pathologie dominante hein, du risque obstétrical en Afrique subsaharienne. Il n'y a vraiment rien de changé. Si vous avez une valve mécanique, le problème, ça va être les anticoagulants. AVK seul, ben, ce sera beaucoup mieux pour la maman avec moins de, et ce sera beaucoup moins bien pour le bébé. Rien n'a changé là-dessus. Et finalement, toutes les études, que ce soit le registre ROPAC de la Société européenne, que ce soit les études de l'anglais, là, ça c'est le ROPAC 2017, hein, la mère, si vous mettez des antivitamines K, elle va aller mieux. Elle aura moins de thromboembolisme que si vous mettez un antivitamine K à partir du deuxième trimestre. Et le bébé, en revanche, c'est une cata. Et c'est une cata un peu moins si vous avez de faibles doses de warfarine. Mais en réalité, ça, c'est probablement pas vrai. Je ne sais plus quelle étude, c'est Nishimura qui l'a montré. Il n'y a pas de différence. Hein. Si Nishimura, il vous dit que c'est mieux si vous avez de petites doses dès le premier trimestre, mais pour le bébé, c'est pas bon. Si vous regardez en urgence le Hollandais qui a une grosse étude avec beaucoup de malades, des prothèses valvulaires, ce Hollandais vous dit, bah, pour le bébé, si vous avez des antivitamines K, bah, c'est pas bon en fausse couche, en mortalité, en anomalie congénitale. En revanche, c'est mieux si vous avez les anticoagulants normaux relayés secondairement par les antivitamines K. Mais il vous dit en revanche que dans cette étude, la faible dose de warfarine n'est pas protectrice hein, et ça donne autant de malformations. Donc une étude du JAC qui dit la même chose pour la maman, bah, c'est mieux les antivitamines K, pour le bébé, bah, c'est moins bien. Voilà. Donc on n'a pas vraiment de réponse. Ce qu'il faut avoir également en mémoire sur la grossesse, c'est le risque catastrophique de la grossesse, de la chirurgie cardiaque. La mortalité de la maman, 6%, la mortalité du bébé, 30%, la morbidité, bah, c'est pas bon non plus, hein. Donc, le mieux, c'est d'essayer d'éviter ça. Il y a des gens qui mettent exprès des bioprothèses, quitte à réopérer après les grossesses, hein, ou peut-être qu'on mettra des valves percutanées pour éviter ça. Mais en fait, le problème, c'est surtout les congénitaux aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme expérience de la thrombose de valves pendant les grossesses? Nous, on en a très, très peu. Il y en a un peu chez Alec Vahagnan et Bernard Hume et Bichat. Moi, j'en ai aucune, hein. On a ce papier qui est un papier turc qui est très bien fait. Je vous proposerais volontiers, si vous avez des thromboses de valve, de faire un registre. On devrait faire un registre Maghreb là-dessus. Maghreb et Afrique avec Mabouri Diaw, avec Abidjan, avec Yaoundé. On devrait faire un registre avec thrombose de valve, grossesse. Ce serait très intéressant. Hein. Les anticoagulants. Le traitement thrombolytique guidé par l'écho, ils ont fait ça, ils ont pas tellement de complications, hein, sur 25 patients, ils ont une hémorragie placentaire avec un patient avec une hémorragie. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Enfin, en tout cas, c'est des malades particulièrement graves. Je pense qu'il faudrait qu'on ait des données. Vous voyez, la Turquie n'a que 25 malades. Je pense que on devrait faire dans notre groupe d'amis là d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, on devrait faire un registre là-dessus. Comment on a fait et qui sont celles qui s'en sortent le mieux et quels bébés s'en sortent le mieux. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, merci. Voilà. Merci, merci. Merci beaucoup pour faire cette excellente conférence. Il y a beaucoup de choses nouvelles, hein. Il y a pas mal de choses nouvelles, très intéressantes. Il y a des questions surtout, hein. Oui. Là, on va ouvrir un peu les questions.
Peut-être Harbi qui s'est intéressé un peu pour rebondir sur votre dernière diapo, celle des prothèses de valve chez les patientes des grossesses. Nous avons une petite série. Harbi, est-ce que tu peux intervenir? Qu'a publié Fazia Harbi? Harbi, tu veux intervenir sur ça? Je ne sais pas si Harbi est là ou pas. Moi, je ne le vois pas inscrit. Je Harbi? vois Alors, ouais. et 30 autres. Ah Le nom de famille, c'est quoi? Sans l'accent, là, pour que je puisse lire bien. ouais. Alors, s'il y a des questions, il y Alors, a Jury, il y a une question. Si Jury voulait poser une question. j'en ai un peu marre des hôpitaux et que je viens plus souvent à Alger, qui va m'apprendre quand même un minimum d'arabe? Jury, vas-y. Yousra. Il faut être créatif. Alors, est-ce que... Bonjour, bonjour. Je vous Vas-y. remercie d'abord, professeur, pour cette excellente présentation. Merci beaucoup. En fait, ce n'est pas une question, mais plutôt juste une remarque par rapport à la triple thérapie antithrombotique dans les syndromes coronariens aigus, c'est-à-dire l'association d'anticoagulants avec la double anti-agrégation plaquettaire. Qui était remarquablement raccourci à une semaine sur ces nouvelles recommandations en 2020 des syndromes coronariens aigus sans élévation de segment ST. Oui, c'est juste. Voilà. C'est juste. Ma diapo est ancienne parce qu'elle suit 2020, oui, exact. Et je n'ai pas rajouté la réalité, c'est d'essayer de freiner le plus possible, hein, le triple cocktail. Hein. Voilà, c'est. Très bonne remarque. J'ai fait mes diapos avant la sortie. Oui. Moussaoui, Je vous allô. remercie. Merci. Katia Moussaoui, pose ta question qui est intéressante. Vas-y. Bonsoir, professeur. Je vous remercie d'abord pour votre excellente présentation. On a eu récemment une patiente enceinte de 38 ans. Elle était à 15 semaines d'aménorrhée avec une prothèse au niveau mitral, une thrombose subocclusive, instable sur le plan hémodynamique. Alors, selon vous, est-ce qu'on va préférer la fibrinolyse ou bien la chirurgie en urgence chez cette patiente-là? Merci. Alors, il y a une réponse sage. On pourrait croire qu'elle est diplomatique, mais elle est sage. La réponse, c'est de vous retourner la question. Parce que c'est vous qui avez l'expérience. La réponse, vue de quelqu'un qui fait des safaris diapo comme moi. Les recos instables si on a la chirurgie. Mais la dernière diapo, c'est le pronostic des mamans et des bébés dans la chirurgie. Je ne sais pas, on n'a pas suffisamment de données maintenant pour dire qu'il faut préférer la thrombolyse. On n'a pas assez de données pour le faire. Je pense qu'il y a des gens qui vont préférer cette 38 semaines. Non, non, à 15 semaines d'aménorrhée. C'est un peu moins risqué. Je pense qu'on n'a pas les données pour le faire, mais c'est un débat qui va justement le type de registre dont je parlais permettrait de parce que finalement les gens qui ont fait les recos, ils ont dit instable, t'as la chirurgie qui va, tu l'as pas, tu te rabats sur la thrombolyse. Là, c'est un autre cas de figure pour lequel on n'a pas de données, et ce serait bien d'en avoir. Je pense qu'on peut réellement se poser la question de la thrombolyse chez cette femme, parce que la mortalité du bébé, elle est énorme. Et la question, c'est est-ce que c'est une femme qui a déjà des enfants? Parce que pour la mère, c'est moins grave que pour le bébé. La mère, il y a un risque, hein, d'une chirurgie redux, et de toute façon, il faudra la traiter. Elle a un risque dans les deux cas. Le bébé, lui, il a des chances d'y rester. Si déjà il y a des enfants, si le père et la mère disent, bah moi je préfère être là, moi je préfère que ma femme soit là, c'est une question éthique en fait, hein. C'est une question éthique qui pourrait être traitée, par exemple, en attente de données. Si les journées européennes ont lieu cette année, pour l'instant on ne sait pas encore. C'est une question qui pourrait très bien être posée en topo au groupe éthique de la Société française de cardio. Merci. Merci. Amin Salam. Amin Mohamed Salam. Salam, vas-y. Allô? Allez, vas-y, vas-y.
Bonjour, je voudrais vous remercier à propos de votre présentation. J'aimerais avoir votre avis à propos du protocole de fibrinolyse dans votre service, vu que la chirurgie chez nous n'est pas accessible dans l'immédiat. Et on sait qu'il y a des protocoles normaux et il y a des protocoles slow et ultra slow, surtout chez les femmes enceintes. Donc j'aimerais bien Alors, avoir votre protocole de fibrinolyse à votre avis. la réponse, elle est très très simple, hein. Ces malades-là, ils partent direct à la SALP chez Pascal Leprince. Ils partaient avant chez Gangebac ou chez Pavie. Et les valves, en fait, je travaille beaucoup aussi avec Bernard Jung, ils partent directement chez lui et chez son chirurgien. On a une surreprésentation pour ça, nous, de la chirurgie, à cause de l'accessibilité de la chirurgie. Le protocole, il est dans la diapo, vous les avez téléchargés, les diapos. Un bolus, s'il n'y a pas de grossesse, un bolus de 10 mg de RTPA suivi de 90 mg plus héparine, ou éventuellement streptokinase 1,5 million, avec héparine et 1,5 million en 20 minutes, hein, par embolus, et l'héparine pendant la journée après. On a peu d'expérience, nous, sur ça, parce qu'ils vont directement en chirurgie. Pour la grossesse, moi, je n'ai pas d'expérience. Je ne vais pas vous dire un truc comme ça de mes diapos, hein. Je pense que c'est un truc qu'il faut faire. Si jamais on a une session commune l'an prochain, ce n'est pas au sujet cette année. Mais je pense que c'est à faire ça comme topo, avec l'expérience chez vous. Merci, merci. Taleb, Soufi de Tlemcen, on a des Tlemceniens avec nous. Allez, Soufi, interviens. Taleb, on ne sait plus s'il nous entend ou pas, hein, s'il nous entend. Taleb, es-tu là, Soufi? Vas-y. Oui, bonjour professeur. Bonjour Bonjour. professeur Mansuez. Je vous remercie Bonjour. pour cette excellente Vous voyez qui c'est, Taleb Soufi? Oui, bien J'arrivais sûr. à m'entendre. Oui. Alors, je vous remercie pour cet excellent topo sur l'anticoagulation. Au fait, nous, on a eu deux cas depuis que je suis assistante au service. On a eu deux cas de thrombose, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment fréquent. Et on a eu deux cas de thrombolyse efficace, c'est-à-dire avec succès des thromboses de prothèse. Et sur les deux cas, il y a une patiente qu'on a ensuite proposée pour un acte de chirurgie parce qu'elle gardait toujours des gradients élevés avec thrombose partielle. C'est-à-dire que la thrombolyse n'a pas été efficace à 100%. Donc, est-ce que la chirurgie serait systématique après fibrinolyse? Est-ce que c'est juste pour dépasser un cap ou faut-il C'est une prothèse passer. mécanique. Oui, c'était une prothèse mitrale. Ce serait un peu présomptueux de ma part de dire à des gens qui ont l'expérience des valves que la prothèse mitrale, ça fait toujours peur en embolie. Donc le traitement a été correctement fait par la thrombolyse puisque le caractère obstructif et mauvaise tolérance disparaît en post-thrombolyse. Mais il persiste un caractère obstructif à l'écho, sans symptômes. On n'a pas les mêmes données sur le traitement anticoagulant, sur les prothèses mécaniques, que sur les prothèses, que sur les bioprothèses où j'ai dit il vaut mieux traiter avec des anticoagulants longtemps. Hein? Donc on n'a pas cette donnée-là. Et la tendance, il reste un truc qui fait peur, une valve qui est menacée, parce que rien n'empêche que le thrombus se fasse un peu plus. Hein? Il y a déjà eu un thrombus sous anticoagulant. La tendance quand même serait, on aura tous envie de la changer, la valve, je pense. Ah oui, une valve mitrale qui C'est trompe presque beaucoup. inéluctable. Oui. Ah, une valve mitrale, elle a eu un thrombus sous Ah. anticoagulant. Que le traitement a été bien fait ou qu'il y a Ouais. eu un gap de traitement, le risque de récidive, il existe aussi, hein. Gros C'est-à-dire risque. que, et le risque, il est important. Je sais pas, moi je vais, il risque, et la valve, c'est une valve elle a déjà un peu trahi la valve, hein. Une valve qui a trahi, elle risque de, enfin je sais pas, moi j'aurais tendance, je pense qu'au staff, déjà premièrement,
on l'emmène au staff. Vous savez, c'est le bon ton toujours de dire on l'emmène au Earth Team. Alors là, chez nous, c'est le mardi soir à la salle P. Je prends le dossier, je vais à la salle P, où je vais chez Bernard Jung et Alec, et on discute là-bas, et je peux pas répondre à leur place, mais pratiquement, quoi. Ouais, je pense que on va pas, c'est un patient jeune, on va pas lui prendre un risque en disant, oh, peut-être que ça irait mieux simplement, non, on va pas prendre un risque, on va la changer. Merci. Mouzaoui, Katia, c'est bon, tu as terminé? Oui, c'est bon, merci. Katia Mouzaoui, vas-y, pose ta question. C'est bon, je vais poser. Je voulais juste lui dire que notre patiente, on a fini par la thromboliser. C'était dans le cadre de l'urgence, vu qu'il n'y avait pas de chirurgie en urgence. On a fini par la thromboliser. Elle avait un gradient moyen à 20. Ben, il y avait un succès de thrombolyse et les deux, la femme, la mère et l'enfant sont bien portants jusqu'à ce jour. Il y avait un gradient à 5, post-thrombolyse. Ah ben ça, c'est vachement important, il faut les lister, ces malades-là. Oui. Hein, s'il y a d'autres mamans et d'autres bébés qui peuvent en profiter, il faut les lister. Hein, c'est super intéressant comme renseignement. Mais est-ce que tu vas changer la valve ou pas? Vas-tu changer la valve mitrale? Voici la question, la problématique qu'on vient de poser. Voilà. Il faut la changer après, alors qu'elle va bien, elle a un gradient… À 5 maintenant, en post-thrombolyse, il y a un gradient à 5 mm Hg. Et il n'y a pas eu de défaut d'anticoagulation? Bon, c'était une patiente qui était mal suivie. Bon, c'est une patiente qui a possiblement été mal suivie et la thrombose est survenue pendant la grossesse. Oui. Si elle a déjà des enfants… S'il y a un enfant, on voudra peut-être d'autres. Je pense qu'il faut faire très attention. Moi, je ne changerai pas la valve tout de suite, mais c'est une impression personnelle. Je pense qu'il faut, si elle veut d'autres enfants, faire particulièrement attention avec un suivi très attentif pendant la deuxième grossesse. Et alors ça, c'est une malade avec qui il y a un débat éthique. Le débat éthique, il est sur les AVK tout au long de la grossesse. C'est une malade qui a un risque de thrombose de valve. Elle en a déjà fait une. Oui, il y a quelqu'un qui met le scanner, peut avoir un intérêt. Oui, je suis d'accord. La malade, elle a un risque élevé. C'est AVK pendant toute la grossesse, avec le risque pour le bébé. Ça, c'est vraiment une question éthique à voir avec elle, avec son papa et avec toute l'équipe soignante. Mais c'est vrai, peut-être pas se précipiter pour changer la valve tout de suite. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui a mis le scanner est intéressant. Oui, le scanner est scanner 4G, hein, ultra intéressant pour voir ces thromboses partielles. S'il reste une thrombose partielle sur la valve, que c'est une valve mitrale, et que nous on pense qu'elle est bien sans gradient, peut-être que ça change un peu la donne. Tout à fait, c'est Amel Abrouche qui a mis ça, c'est très juste. Oui, si. Y a-t-il encore de profiter de la présence de notre expert d'aujourd'hui? Alors, il y a une question. L'expert, il a le droit de dire un mot personnel. Il y a sa femme qui dîne chez sa maman. C'est pour ça que j'ai déclaré un peu l'heure plus tôt exprès. et donc, je vais les rejoindre aussi tout à l'heure. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, on ne va pas abuser de votre gentillesse. Non, n'abuse pas, on prévoit un autre topo, on discutera avec le professeur Benkédal un autre topo un jour. On vous remercie beaucoup, hein, pour avoir un peu répondu à notre sollicitation.